Bonjour tout le monde, c'est Alison Kimix et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des autocollants. Ce que tu as besoin, c'est une feuille, des ciseaux, du scotch, des crayons de couleur, un crayon à lamine, efface puis stylo. Alors ce que tu veux faire, c'est que tu dessines ce que tu veux sur ta feuille. Moi, j'ai dessiné YouTube, puis je l'ai colorié, puis j'ai découpé. Alors, maintenant, tu prends ton scotch. Tu mets la grandeur de ton image. Puis, de temps en temps, tu peux mettre ton image sur le scotch. Alors maintenant, quand tu as fini de mettre du scotch, tu peux mettre ton image. Puis après, tu remets du scotch. Mets une deuxième couche de scotch. La première couche, c'est pour que ça colle. Et la deuxième couche, c'est pour protéger. Et quand tu as fini, tu peux découper. Puis maintenant, tu peux trouver un bout du scotch, comme ça tu peux l'enlever. Tu peux utiliser du scotch que la qualité n'est pas trop bonne parce que si ça se colle trop, ça va arracher du papier puis ça va pas bien coller. Comme moi maintenant, j'ai un peu de la difficulté. Et maintenant, j'ai réussi d'enlever le scotch. Et quand tu as enlevé, c'est comme ça. Alors maintenant, tu peux coller n'importe où. Tu peux coller sur les feuilles, sur les cahiers, n'importe où. Et c'est comme ça que tu fais un autocollant. Et je dis que ça c'est vraiment facile. Puis ça c'est pas la première fois que j'ai fait. J'ai aussi fait d'autres autocollants. Je vais les chercher. J'ai aussi fait d'autres autocollants les jours avant. Comme ça je pouvais vous montrer. Alors j'avais fait aussi un YouTube avant là. Avant, j'ai fait un YouTube, j'ai fait un emoji, puis j'ai fait un autre emoji, puis j'ai écrit des mots comme best, forever, il y a Pikachu, puis un Pokéball, puis ici il y a friend, love, Pokémon, Rilakkuma, puis une sing de fairy tale. Alors, si vous aimez cette vidéo, cliquez like. Et abonnez à cette chaîne. Et c'est ça. Bye!